11. Phone number 12. Cell phone number 13. Date of birth 14. Place of birth 15. Social security number 16. Sex 17. Male 18. Female 19. Signature. Page 4. Personal information. A. Say your name. B. Spell your name. C. Print your name. D. Sign your name. 1. Name. 2. First name. 3. Middle initial. 4. Last name. 5. Address. 6. Apartment number. 7. City. 8. State. 9. Zip code. 10. Area code. 11. Phone number. 12. Cell phone number. 13. Date of birth. 14. Place of birth. 15. Social security number. 16. Sex. 17. Male. 18. Female. 19. Signature. Page 4. Personal information. A. Say your name. B. Spell your name. C. Print your name. D. Sign your name. 1. Name. 2. First name. 3. Middle initial. 4. Last name. 5. Address. 6. Apartment number. 7. City. 8. State. 9. Zip code. 10. Area code. 11. Phone number. 12. Cell phone number. 13. Date of birth. 14. Place of birth. 15. Social security number. 16. Sex. 17. Male. 18. Female. 19. Signature. Page 4. Personal information. A. Say your name. B. Spell your name. C. Print your name. D. Sign your name. 1. Name. 2. First name. 3. Middle initial. 4. Last name. 5. Address. 6. Apartment number. 7. City. 8. State. 9. Zip code. 10. Area okay. code. 11. Phone number. Good evening, good evening. How you doing? My thing. How is everybody? All right, as usual, every evening, you know, we have a special English class for you, okay?
where we are going to enjoy ourselves together. Alright? Côté que nous allons amuser nous ensemble. Learn something. Okay? And today's lesson, we have a special class. Okay? A special class where we are going to learn a lot of things. Côté que nous allons apprendre un pile belle bagaille. Okay? Nous allons voir meilleure façon yo utiliser bagay yo, okay? Vous connaissez déjà, c'est Teacher Malebranche on the air qui rentre la caillou avec un si bel coup, okay? Exercises, grammaire, vocabulaire, okay? On nous partager très rapide pour nous rentrer. Nous allons rentrer dans meilleure façon, moun di moi aussi, lui-même aussi. Nous-mêmes aussi, yo-même aussi, etc. Hein? Nous allons montrer meilleure façon yo utiliser yo et avec aussi auxiliaire yo, ok? C'est-à-dire pour faire, pour répondre avec type de bail ça, on besoin qu'on auxiliaire bien, ok, Gléas? Pour pas dire moi aussi, lui aussi, elle aussi, nous aussi, ok? Et aussi, alright? Sans yo pas en place yo, hein? C'est une très belle leçon que nous prenons après-midi, une très très belle leçon pour aller mieux, hein. D'abord, on connaît déjà un hein, partager un hein, special class for you, alright? And at the beginning, I explained you how important is English. Okay, it's a beautiful language, not only a beautiful language, it's a commercial language. It is very important for a person to know something in English, all right? It's for this reason I am here tonight to show you how to say or how to use a lot of things in English, all right? You know you have only one thing to do. What you have to do is share your life. Share, okay? Partager, c'est ça que vous faites. Même pour faire un bon coup là, à soya, ok? Dégagez-nous pour nous monter nos cinquantaines à l'air. On partager, hein? Ok? Bon, une minute pour partager et puis nous allons faire une belle traduction ça, de moi aussi, toi aussi, elle aussi, lui aussi, vous aussi, nous aussi et aussi en anglais. Meilleure façon. Traduction ça fait en anglais, ok? Si on a parlé là, vous dites nous même tout, ok? Vous dites yo même tout, alright? Thank you for following the class on the air, ok? Thanks for your encouragement. Thank you because you take 1 hour in your time to follow Malebranche on the air. Ok, I give you 1 minute to share the life, more you minute to share. I am coming back. Rapidly. Thank you. Number 12. Cell phone number. Share. 13. Date of birth. 50 people at least. Au moins 50, mon hein. On a l'air. Date of birth. 15. On a encouragé mon nom suivre ça qui bon, hein. Security number. 16. Sex. 17. Male. 18. Female, 19, signature, page 4, personal information. Yeah, nous allons faire belle traduction là, soya, hein? Say your name. Let's go. B, spell your name. Let's share, I'm ready for a 50, hein? C, print your name. 50, hein? Dépasser 50 allez, hein? Sign 150 your name. Share, chaque mot, non, 10 ou 15 share, alright? Name. I'm gonna be very happy, hein? First name, 3, middle initial, 4, last name, 5. Let's go, 50 class. Apartment number, 7, city, 50, 8. Okay, listen, one of my student, you know étudiant, you know mon capsule là, okay, qui n'a groupe là. Prends l'éclat à la gueule dans le groupe là. Moi, parce que moi, pendant mon live là, il y a des gens qui ont écrit dans le groupe là, ok?
Please, ok? Prends l'éclat à la gueule dans le groupe. La fait yon connaît nos live, ok? Moun ki dans le groupe WhatsApp là, alright? Dans WhatsApp pratique là. Ok, Gléas, voyez l'éclat bas sous le groupe là pour moi. Dis ok, nos live, hein? Il ressemble que yon pas connaît si nos live, hein? C'est désordre, hein? Ok, thank you. On a l'éclat. Nous parlons de la meilleure façon. Yon traduit moi aussi, toi aussi, elle aussi. Louise aussi, nous aussi, vous aussi, et aussi. Ok, Gléas? Nous prenons une petite traduction ça très rapide et bien détaillée en anglais. Ok? Mais pour faire petit travail ça, Gléas, il faut qu'on ait auxiliaire. Auxiliaire yo en anglais. Ok? Pour faire petit travail ça, vous supposez qu'on ait auxiliaire yo en anglais pour pas gagner problème le wafé yo. Ok, Gléas? C'est pour raison ça qui fait mon venir avec Belti traduction ça pour vous. On comprend pour capable traduire moi aussi, toi aussi, elle aussi, lui aussi, nous aussi et aussi en anglais. OK? Nous allons une formule pour faire travail ça dans n'importe phrase yo ba ou a, OK? N'importe phrase vous n'ta dit pour faire traduction ça sans aucun problème, OK? On a les classes, ouais. Traduction de moi aussi, etc. Ok, Gléas? Je dis, pour me faire traduction ça en anglais, Gléas, c'est très facile. Je dis, qui ça besoin qu'on ait, Gléas? Besoin qu'on ait d'abord auxiliaire. Ok? Là, nous parlons de auxiliaire, Gléas. Besoin d'abord, nous besoin d'abord qui ça be. Ok? Nous besoin have les auxiliaires. Ok, Gléas? Nous besoin encore, par exemple, nous besoin verbe d'effectif can. N'a besoin could, n'a besoin may, ok, n'a besoin might, est-ce que l'anglais glass, n'a besoin most, alright, n'a besoin for example will, ok, n'a besoin would, est-ce que l'anglais glass, hein, n'a besoin tout moun sa yo glass, pour nous connaître moun sa yo bien, ok, là nous dit bien have deux auxiliaires. Là, nous dit can, could, may, might, most, will, would, et aussi should. Est-ce que l'anglais glass? Un premier détail, il faut me connaître groupe moun sa yo bien pour me faire traduction moi aussi, ou bien toi aussi, ou bien elle aussi, ou bien lui aussi, ou bien nous aussi, ou bien eux aussi. Ok? Je dis, pour me faire traduction ça très facile. Groupe moun sa la forme ka observe yo bien et aussi il y a trois auxiliaires classe qu'on utilise pour les verbes d'auxiliaire pour les verbes ordinaires par exemple là nous parler de do nous parler de days et aussi did so, là, classe. Ça c'est une équipe moun qui vraiment important les m'a fait traduction de moi aussi toi aussi elle aussi nous aussi etc. OK on allait 50 on allait OK Gléas nous pour faire petit travail là extrêmement important et vraiment belle en anglais suivez pour un belle bagaille hein OK voilà lui mais ça qu'on fait là hein suivez pour un dégagez nous même t'aimer ouais pour lever 100 à soir OK Gléas on lever défi ça hein on bel travail pour ça va qu'on fait pour la arriver 100 mes amis on allait hein Gléas. On dit B, on connaît les B conjugués. Nous conjuguons B pour là déjà. Hein? Si quelqu'un qui pas très longtemps fait conjugaison de B et have, ou qu'a toujours vu un petit message bon, moi soit par Messenger pour nous détailler encore. Nous voyons bien sur le massa, ok? Mais avant de se détailler, Ken, tout le monde sait qui la classe. Les yo fait une phrase avec, par exemple, ou déjà connaît. Les yo poser question, c'est même lui même qu'a fait, ok? Par exemple, si me dit you are, si me dit I am, ok Gléas, si m'a fait question là, me just viré, me dit am I, ou bien me dit are you, ok, ça c'est pour me faire question. Si me vient encore me dit can you, ok, you can you, pour me faire question. Est-ce que là Gléas, si me dit could, ouais, si me dit you could. Ma fait même travail là pour question, me dit could you, alright? Est-ce que là en classe? Ça veut dire tout le monde sait jouer word auxiliaire. Mais nous t'as dit pour to have, il paraît de façon différente, hein? Le to have dans présent simple, m'pas qu'à dire have I pour me faire question. Est-ce que nous là, hein?
I have a book, par exemple. I have a. Baka di class. Have I, like this. Hein? Baka di have I, comme ça. No. Autant simple, have besoin présence de do, des et did, pour lui conjuguer, autant à la forme négative ou interrogative en anglais, ok? C'est ça mon trou là. C'est que là, pour me faire question là, m'a dit, do I have. Ouais. Do I have. Même j'en fous tout l'autre. C'est la glace. C'est ça yo pour nous observer bien, qui pourra le permettre nous faire belle traduction ça yo en anglais sans aucun problème. Mes amis, moi dit besoin au moins 60 monnaie, dégagez nous, partagez dans tout groupe, hein. Invitez moun nan dans Messenger, vin enjoy dans belle petit coup ça que nous pourra commencer. Nous pourra commencer avec petit phrase ça yo pour nous montrer comment traduction pourra faire dans tout. OK glace, parce que nous presque prend tout verbe qui gagne rapport auxiliaire pour nous capable détailler pour traduction de moi aussi, toi aussi, elle aussi, lui aussi, nous aussi, vous aussi, eux aussi. Ok, on nous déraper dans traduction. Hein? Je dis pour me traduire moi aussi, Claire, si ça me besoin, besoin so, ok, pour me traduire moi aussi dans une phrase, besoin premièrement, regardez bien, Claire, je dis qui ça me besoin, besoin so. Plus auxiliaire là, ok? Plus auxiliaire, ok? Je me dis, sous la présence tout le monde, ça y est, alright? Dit tout le monde, ça a joué wall, côté que yo ka fait question, même yo même ka fait question, même yo même ka répondre, c'est là, hein? Je dis, c'est so plus auxiliaire, plus sujet, phrase là, ok? Nous allons regarder bien classe. Là, nous dis, so plus, pour me faire traduction de moi aussi. Par exemple, elle dit Mary is very happy. Ok? Si elle dit Mary is very happy, kudam ka dit moi-même aussi, moi content. Est-ce là, hein? Moi aussi. Est-ce là? Elle dit pour me jouer moi aussi, ça, Gléas, dans la phrase, ça, qui ça m'a fait? Ma bralle me dit c'est so, ok? Ma dit c'est so, plus auxiliaire là, que me bralle chercher dans la phrase là, plus sujet. Nous bralle font un petit détail, Gléas, nous bralle chercher, hein? Est-ce que nous la règle à suivre bien? L'envie n'a par exemple, on m'écrit là, dit Mary is very happy. Nous parlons de petit détail là dans la classe, suivez bien, ok? Il a dit là pour me dire moi aussi, classe, besoin qu'on ait d'abord qui ça so, ok? Pour me dire moi aussi la classe, m'a dit, règle là qui ça dit c'est so, eh bien l'envie là me dit so. Est-ce que là, Glass? Ça, c'est pour me jouer une traduction de moi aussi. Est-ce que là, partagez pour me venir dans 50 ans, hein? Je dis, c'est so plus auxiliaire, là, plus sujet. M'gué t'en prends so à mettre so là. Est-ce que là, Glass? Fasse-moi finir là déjà. Mary is very happy. Kounambral dit, nous-mêmes aussi. Est-ce que là, oubliez là, m'a dit, moi aussi d'abord. Ma point première, hein? M'a dit, moi aussi. M'a dit, moi-même tout me content. Est-ce que là, hein? Mary is very happy. Ou gade ma ou dit, Mary is very happy. Marie est très contente. Et puis me dit, moi-même aussi. Est-ce que la glace? Kounia ou dit, qui ça m'a dit dans la règle? C'est so plus auxiliaire. M'prend so. Kounia ou vini dans la phrase la glace. M'di, m'vini dans la phrase la. M'di, où est l'auxiliaire ici? L'auxiliaire ici, c'est is. Est-ce que la glace? On suit bien. M'di, il c'est l'auxiliaire. Où est le sujet, glace? Le sujet, c'est Mary. Est-ce que là, hein? On dit Mary est l'auxiliaire, et Mary est le sujet, et is est l'auxiliaire. Est-ce que nous, hein? On dit sujet plus auxiliaire. Quand on a moins tourné dans la règle, plus que on identifié sujet, et moins identifié auxiliaire, là. On suit bien classe. Est-ce que nous, là? Dans le verbe auxiliaire, il est facile en pile. Là, nous prenons le petit verbe ordinaire, ou prenons comment, il prenons pas être tout petit, difficile. Mais depuis là, l'aime t'a fait auxiliaire, yo. Semaine passée, on va prendre le facile. On a les 60 mots, mes amis. On va prendre, un bel coup comme ça, hein. Pas qu'à arriver dans le petit ça. On a les classes. Je dis, c'est so, mettez so. Quand on va identifier auxiliaire plus auxiliaire, où est l'auxiliaire classe? Si m'a dit moi-même aussi, pour me dire moi aussi classe, quand on qui ça m'a fait? Là, on va une présence de verbe to be. Est-ce que nous là, hein? Là, m'a conjugué verbe to be au présent classe. Est-ce que nous là? Là, m'a conjugué, regardez bien, petit travail qui m'a fait là, oui, bel travail qui m'a fait, regardez bien. On dit I am, si m'a conjugué verbe to be au présent, on dit I am, on dit you are, dit he is,
We are. You are. They are. Ok? Gardez bien. Kounyan Claire, si m'a dit moi aussi, très bien, poussé. Poussé, fait moi jeune 60 ans, hein, on allait. L'emmène m'a dit I am. Si m'a dit moi aussi, c'est que là, moi qui ai rapport avec première personne du singulier. C'est que là, m'a le rapport avec âme. Ça, c'est si m'a dit moi aussi. Est-ce que là, hein? Si m'a dit moi aussi là, plus que m'a dit so, auxiliaire m'a là, m'a dit c'est verbe être qui conjugué là. Pour me parler de moi même kounya c'est am m'a gagné c'est que auxiliaire m'a gagné pour me dire moi aussi là il pral am. Est-ce que nous la règle là il pral am kounya classe je dis m'la te parler de Mary puisque m'a dit c'est so plus auxiliaire là plus sujet là c'était Mary mais kounya si m'a dit moi même c'est moi le pralier c'est que là m'a gagné. So am, c'est que sujet à la pral moi-même qui pral I. So am I. Est-ce que là, Eglias? Est-ce que tout le monde ouais, Eglias? Est-ce que là, eh? Mary is very happy. Et puis, me dit, so am I. So am I. Où est le sujet? Où est, qui ça, Regla dit, la classe? Regla dit, c'est so, plus auxiliaire, plus sujet. Puisque c'est moi-même aussi, c'est moi aussi, m'a dit. Ok, là, c'est moi aussi. Est-ce que là, Eglias? Plus que c'est moi aussi, et bien, m'a gagné so, auxiliaire qui prend le moi-même, la vine âme, ok? Plus sujet qui c'est I, parce que c'est moi aussi. Est-ce que là, Eglias? Est-ce que nous là, hein? Est-ce que nous là, hein? Belle coup, qu'a fait là, m'a bien détaillé vous, sans presser, hein? Dégager ou la game dans tout groupe qui existait, hein? Chaque monde comme on dispartage au moins, ok? On a les classes. Yo dit pour me traduire moi aussi ou bien elle aussi lui aussi etc. Yo dit mes formules m'bra l'utiliser. M'dit so plus auxiliaire plus sujet. M'dit si m'parti avec so là, qu'on a m'bra sujet, c'est moun moi m'bra le dit, moi m'bra utiliser aussi à pour lui. Si c'est moi même m'a dit moi aussi, m'a dit moi même tout. Laisse ça si c'est verbe to be qui conjugué dans phrase là, m'gen de connait pour m'dit moi même tout, li pral ban moi am. Est-ce que là, hein? Si c'est verbe to be, moi ouais qui conjugué dans phrase là, si m'bral dit ou même tout, qu'on a m'a pas en fait avec are. On suit bien, est-ce que là, hein? C'est que m'bral en fait avec are. Si m'a dit lui même tout, moi je m'en phrase là, la, Mary is very happy. Qui verbe moi ouais qui conjugué là? C'est le verbe to be. C'est que pour me dire lui même tout qui c'est un garçon, et puis m'bral la troisième personne verbe to be l'el conjugué. Ok, qu'on a là? Auxiliaire là pour album is. Est-ce que là en classe? Kounya si y a parlé de nous même tout. Qui ça me va faire? Moi je suis là. Moi ouais verbe to be qui conjugué là. Plus que c'est to be bien là. Et bien pour me dire nous même tout, moi aller la première personne pluriel la classe qui bam we are, m'a prend auxiliaire là qui c'est are. Est-ce que nous là en classe? Hein? Est-ce que nous là? 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 Good, all right, okay. Share, class. You have to share. It's knowledge, hein. Et connaissance, on garde va qui bon, un bel travail qu'a fait, hein. On garde bel travail qu'a fait, hein. Non, il y a de temps, mes amis, pas en pile temps. Hein, on prend il y a de temps pour mettre connaissance, hein. On a les classes. Kounya, non, même frère ça, ouais, non, seul gain frère ça, m'ka besoin là, la, l'âme de dit moi aussi. Je dis, Mary is very happy. Kounya m'a dit moi même tout. M'dis, c'est so. Plus auxiliaire, plus que c'est moi-même qui n'ai pas d'âme, il n'y a pas d'âme, est-ce que là, hein? Est-ce que là, hein, glace? Quand on a même fait ça, on va dire toi aussi. Si on va dire toi aussi, c'est que là, on va dire deuxième personne singulier qui c'est you are, auxiliaire, on va dire are. Est-ce que nous, là, hein, glace? Quand on a qui ça, on va faire là pour me dire toi aussi? Pour me dire toi aussi là, si c'est la première formule que je vais utiliser, d'abord, on me dit ça, ouais. Mary is very happy. Quand on a dit toi aussi, dis so. Je dis après so, ça va utiliser auxiliaire. Moi je me fais ça pour moi qui auxiliaire moi t'ai gagné. Moi là me gagné auxiliaire at is. Qu'on a plus que c'est de toi aussi, moi aller dans deuxième personne verbe là, et so là la conjuguer qui c'est you are, qu'on a me dit so plus auxiliaire. Ou est l'auxiliaire là, plus c'est verbe être de gagné là. Et bien là, il va moi are.
Et ça, dans l'anglais, là, on prend le bon mot. Oi, Kounia, si c'est ou même aussi, sujet à qui ça le prend le la you. Eh bien, je me dis, so are you. Est-ce que nous l'avons, glace? Est-ce que nous l'avons? Hein? Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous l'avons? Cher, pas quitter m'baisser, c'est monter pour monter, hein? Ok, on a pris un verbe to be en premier. Après ça, pour avancer, hein? Ok? On allait, hein? On allait, mes amis, pourquoi que cher même 40 moun, mes amis, si chaque moun te baye yon 10 cher, yon 5, hein? Et pour ça, me donne n'importe 100 moun, hein? Et pas seulement qui partage, regardez que j'aime dans 60 chers toujours. Hein? Ok, et c'est nous là, Iglias. Kounia là, ça c'est pour me dire toi aussi. Ouais, toi aussi. Plus que là, c'est toi aussi. Me dis, so are you. Ouais. Kounia, si me besoin de dire là, Iglias. Et aussi. Hein? Yo même aussi, yo même tout. Kounia, qui ça me fait? Ma fait même travail là. Et c'est nous là, Iglias. Hein? Ma fait même travail là. Kounia, yo dit, me gagne une façon qui est plus facile. Parce que c'est deux formules qui gagnent. Quand la soirée café glace ou prend formule très bien m'a prend pour sentir très bien moi aimer ça hein et puis ou écrit trop petit. OK moi l'écrit plus gros très bien c'est debout pas comprendre c'est tout écrit dans commentaire là pour moi ça très bien thank you all right moi aimer ça m'a prend hein moi reprendre pour comprendre pour me répondre question avec moi aussi ou bien toi aussi elle aussi lui aussi nous aussi eux aussi. Qui ça me besoin qu'on éclaire? Premier coup d'œil pour me faire dans phrase moi d'abord m'a observé règle là qui dit c'est so plus auxiliaire plus sujet. Premier coup d'œil m'a fait dans phrase là classe. Très bien, on nous partager. Thank you very much Joe's. Chikio Joe's. Thank you. Try to share please. Share, OK? Coup d'œil classe, qui ça m'a fait? Me dit si m'pa prendre première formule là, m'a prendre deuxième formule là. OK? Si vous voulez prendre deuxième formule pour plus facile, je prends deuxième formule pour plus facile. Hein? Est-ce que là, hein? Premier coup d'œil m'a fait là, moi, principe là qui dit c'est sujet hein, plus auxiliaire là, plus tout. Est-ce que là, hein? C'est sujet plus auxiliaire plus tout. C'est lui-même qui prend le bon moi aussi. Est-ce que nous là? Kounia, qui ça y a dit, glace? Je vais prendre un jeu dans verbe, dans phrase moins gagné. Hein? On suit, glace. Je vais prendre un jeu dans phrase moins gagné. Hein? Est-ce que là? M'a regardé pour moi verbe qui conjugué, est-ce qu'elles sont verbes auxiliaires? Est-ce que nous là, hein? Est-ce qu'elles sont verbes auxiliaires? C'est-il cool? Alright. Ok? M'a envoyé un jeu pour moi, est-ce que verbe m'a gagné dans phrase là, c'est un verbe auxiliaire? Si c'est un verbe auxiliaire, m'a kebe même auxiliaire là, qu'on a m'a besoin qu'on ait les verbes là conjugués, j'en lié. Par exemple là, m'a Mary is very happy. Où est l'auxiliaire dans cette phrase classe? Hein? M'dis l'auxiliaire qui nous fait ça, c'est is. C'est que là, m'gète ouais, moi en affaire avec le verbe to be. Qui ça m'fait glace? M'fait comme si m'gète là, verbe to be qui conjugué au présent. Parce que is, c'est au présent lié là. Est-ce que là, hein? S'il était au passé là, m'ta pas le conjugué verbe to be au passé. Est-ce que là, hein? Plus que c'est au présent, m'conjugué verbe to be au présent. Là, m'a parlé de moi aussi, m'a parti avec premier parti là. Là, m'non toi aussi, m'a le fait coup d'œil là. L'emnan Louise aussi, m'a le fait coup d'œil là. Si m'nan elle aussi, m'a besoin chi. M'a fait coup d'œil côté de chi ya. Si m'nan nous aussi, m'a le fait coup d'œil là. Exemple. N'a pas une formule qui est plus facile là, hein? Très bien. N'a pas une formule qui est plus facile là. Mes amis, fais-moi dépasser 50 ans, allez. Formule qui est plus facile là, classe. C'est sujet ya, plus auxiliaire, plus tu. Ok? Ça, c'est formule qui est plus facile là, hein? Sujet, c'est moun ou pral di aussi pour lui. Est-ce là? Si m'a dit moi aussi, qui est-ce qui sujet a là? C'est moi-même. Est-ce là, hein? Si m'a dit ou même aussi, qui est-ce qui sujet a? Ou? Est-ce là, hein, glace? Si m'a dit lui même aussi, qui est-ce qui sujet a? Lui. Si m'a dit nous même aussi, qui est-ce qui sujet a? Nous. Ok? Kou nan m'bral pour sujet a là. Là, yon dit Mary is very happy. M'bral pour sujet a qui c'est de moi-même avant. Moi, hein? Moi aussi. Kounia yo dit c'est sujet plus auxiliaire plus tout. Kounia plus que c'est moi-même qui sujet a, et bien c'est verbe être moi là, et bien le sujet non c'est I. Parce que c'est moi-même aussi moi dire, c'est dans l'anglais. Kounia qui ça me gagne plus yo dit sujet plus auxiliaire, plus que là me gagne verbe to be, me gagne I là, et bien auxiliaire là a, auxiliaire là a am. Yo dit c'est sujet a plus auxiliaire là plus tout et puis me dit tout.
That's all right. I am two. All right. Ça c'est façon qui plus facile là. That's all right, Glass. I am two. Okay. Ça c'est façon qui plus facile là. N'a pas ça plus facile là. That's all right. Kounya, là, m'a gagné moi aussi. Hein? Mettez-moi là. Hein? C'est que là, m'a gagné moi aussi. Okay. Kounya, nous prenons parti pour deuxième Glass. Là, m'a dit. Mary is very happy. Okay. Mary is very happy. Je dis, Marie est très contente. Hein? Kounya, m'a dit. Nous aussi. M'bral dit nous aussi, hein? OK, pendant nous dit Mary is very happy et puis nous là et puis nous même nous content tout et puis me dit nous aussi. Me dit nous même aussi nous content. Que là ça m'bral faire là. Me dit c'est sujet puisque c'est nous aussi. Pour me gagner nous aussi non, frère ça. Qu'on a sujet à plus que c'est nous aussi, sujet à c'est nous. Et puis me dit nous. Est-ce là, hein? Plus auxiliaire. Kounya l'aime bien plus que c'est verbe to be qui dans phrase là. Mon conjugué to be l'aime bien you li vin bon we are. C'est que sujet à là li pral bon moins oui. Est-ce que là en anglais ouais? Sujet, hein? Sujet non, nous, plus que c'est de nous aussi, sujet à là pral bon moins nous. Kounya, on va regarder plus que c'est nous, on va regarder l'aime non nous comment verbe la conjugué c'est we are. Kounya le dit plus auxiliaire, OK? Là, je m'a bien nous m'a bien oui en anglais. Je dis c'est oui qui c'est sujet hein, parce que c'est de nous aussi m'a parlé et puis on dit plus auxiliaire plus que c'est verbe être bien là et bien là me dit oui la vim bon we are plus to et puis me dit to. Est-ce là hein? Mary is very happy. I am too. Moi aussi. Mary is very happy. We are two. Nous aussi. Est-ce que là, hein, Glass? Est-ce que nous là, hein? We are two. Très bien, my friend. OK? Mes amis, l'île pour moi, que ça fait pour moi 100 mounes. Y'a nous-mêmes pour faire, hein? C'est chaque monde pour bailler 20 ou 15 partages ou 10 partages. Est-ce que là, hein? Parce que y'a un peu de monde qui peut découvrir, quoi, mes amis? Partager pour lui, sous mon yo. OK? Mary is very happy. Marie est très contente. M'dis, moi aussi. M'dis, qui formule là, mes amis? C'est sujet, hein? Plus auxiliaire là, plus to. Sujet là, c'est moun qui a dit aussi. Ya. Si c'est moi-même, m'a dit I am to. Si c'est ou même m'a dit, si c'est ou même m'a dit you are to. Ouais, est-ce là, hein? Kounya dit Mary is very happy. Et puis m'a dit is aussi. Is aussi, hein? Si m'a éclairé, non qui parti m'a dit là, le verbe to be qui conjugué là, m'a dit la troisième personne pluriel. Yo dit m'a dit ça. C'est sujet a plus que c'est eux aussi m'a dit sujet a pral bon moi dit ça sujet a pral bon moi they OK plus auxiliaire plus que c'est verbe to be bien là là me dit they et bien c'est they are pour me dire c'est are qui auxiliaire là et bien plus to they are too ouais eux aussi eux aussi c'est ça l'anglais très facile hein. C'est ça qui continue pas là dans le même toujours même facile là hein. Ça ou carré l'outil je dis hein. N'a que ça hein. Est-ce qu'on a une glace hein? Est-ce qu'on a hein? Quand on a les glaces, moi je suis là parce que moi je vais faire petit ça hein. Moi je vais faire petit ça yo à faire hein. OK. Quand on a là un verbe to be, parce que nous prend plusieurs verbes pour comprendre. Est-ce qu'on a? Quand nous pas essayer prendre le verbe to be au passé. Est-ce qu'on a hein? Nous pas prendre verbe to be au passé. Par exemple, si vient la glace me dit John was, m'a pren long, m'a pren très court, hein? John was happy. OK, est-ce que vous avez l'anglais? L'am dit, John was happy. Pendant que John was happy, OK, John was happy, John était content, OK? Dit yesterday, John was happy. Dit John était content hier. Ouais, qu'on y a là, et puis m'a dit, et puis m'a dit nous même tout nous t'es content hier. Est-ce là? Me dit nous même tout nous t'es content hier. Kounya qui ça me besoin qu'on est la classe. Plus yo dit John was happy. Me voyez je là me regarder me dit non qui ton verbe blanc conjugué la classe. La verbe blanc conjugué au passé. Est-ce nous là il pas descendre pour descendre, c'est monter pour nous pousser le monter hein. OK? Web tout écrit horaire courant 8h 9h en cours anglais mes amis pas prend pile temps. Ça veut dire son moment pour ta charger mon a regarder 1 heure de temps seulement, vous comprenez? OK, I am so late today. All right. Peterson. Bienvenue my friend, OK? Kounya m'di John was happy. Ouais?
John was happy. Du John était content. C'est que si m'gen était, c'est que me l'en passé. C'est que l'aime pas faire moi aussi m'en gounia. M'a besoin verbe plus que c'est verbe to be m'en conjugué là. M'a besoin verbe to be au passé gounia. Est-ce que l'on l'a réglas? Hein? M'a besoin verbe to be au passé. Très rapide, c'est I was. You were. Est-ce que l'on hein? He, she was. Ouais, réglas. We were. Très rapide pour qu'à comprendre. They were. Ok? Là, j'ai un verbe to be qui conjugué au passé. Pourquoi ça m'oblige à conjuguer verbe to be au passé là? Parce que pour me faire, moi aussi, maintenant là, phrase là, qui te dit que verbe qui là dans l'ancien verbe to be qui conjugué au passé, eh bien, tout est verbe to be qui conjugué au passé parce que c'est yo, m'a l'utilisé. Kouna, qui ça va faire glace? Pour me dire, moi aussi, je seulement conjugué l'âme vinde elle, mettez tout. Pour me dire, où? Ou même aussi, toi aussi, nous devons aller ça mettre même toi. Et cela, parce que qui ça règle la dîme? C'est sujet plus auxiliaire plus tout. Quand on a là, qui ça m'a dit la classe? On dit John was happy. John was happy. John était content. Quand on a pour me dire classe, pour me dire nous aussi, pour me dire nous aussi, et cela, hein? Pour me dire nous aussi, qui ça m'a fait classe? Plus que c'est was n'y là, m'bra regarder côté qui gen nous là. M'dire c'est là qui gen nous, c'est we are. C'est we are. Dis nous dégagez nous faire river sans mes amis. Si que c'est grand monde, si chaque monde débat on dispatage, les cosa dans ce monde dépasser, hein. Est-ce la grâce? M'dire là pour m'dire nous aussi. M'ke t'en connais là, m'gen verbe to be au passé maintenant nous. We were. Parce que dit c'est sujet a plus auxiliaire plus to. Kouna m'a gen nous aussi la classe. La bombe qui sa sujet a dit c'est oui, parce que c'est nous aussi. Est-ce là, hein? Hein? Plus auxiliaire. Auxiliaire là qui c'est where, le verbe être qui se conjugue au passé. M'di oui, where. Et puis plus to. Et puis m'di to. Est-ce là, hein, classe? Là m'get gen nous aussi. Est-ce là, hein? M'get gen nous aussi bien facile, hein? On allait, on donne qui des questions 50 là, on a poussé, est-ce qu'on a une glace, on poussé. John was happy, et puis qu'on a dit, nous aussi, nous même tout nous t'es content, est-ce qu'on a, hein? Nous même tout nous t'es content, on dit, we were too, ok, we were too. Alright? Quand on si m'a pris première formule, là, c'est lui ou qu'a dit dans la dalle. Parce que première formule, là, qui ça dit, c'est so, plus auxiliaire. Auxiliaire, là, qui c'est where. Et puis plus sujet qui c'est oui. Est-ce là, hein? So where we, alright? Ça un petit genre plus difficile. On nous aime ça plus facile là, hein? Vous pas gourmet, c'est plus mais dans le point ça plus facile là, la plus bon pour. Est-ce là, hein? John was happy. Nous aussi. We were too. Est-ce là? John was happy. Toi aussi. You were too. You were too. Est-ce que là, hein? John was happy. LOC. Et bien, qui ça me dit la glace? She was. Ouais, l'aime non she, c'est was. L'aime non he, c'est was. Et bien, me dit she was too. Là, m'gen qui ça? M'gen nous aussi. Là, m'gen qui ça, glace? M'gen toi aussi. Là, m'gen qui ça? She was too. M'gen LOC. Est-ce que vous êtes clair? C'est son petit travail là, hein? Est-ce que nous petit travail là, hein? M'bral quitter verbe to be, hein? Parce que forme bon l'autre verbe, pas seul verbe to be, non? M'bral petit détail là dans to be pour qu'à faciliter, puis bien comprendre, ni? Mais m'bral quitter to be, là. On allait, mes amis. Mais j'ai 130 chers. Hein? On allait, parce que forme quitter question 50. On allait, hein? On bel coup anglais qui a fait comme ça, mes amis. On même ça gagne pour l'éducation, faut qu'il gagne encouragement, hein? On allait, hein? Ok? Kou na glace, c'est ça comment to be a marché, hein? Pour to be a, quitte-le au présent, quitte-le au passé. Ma fait même bagaille là, si le présent. Ma l'aime conjugué verbe to be au présent. Et puis, m'prend chaque pronom m'a parlé là, c'est un auxilier. Moi aussi, sorti dans I. Toi aussi, sorti dans you. Lui aussi, sorti dans he. Elle aussi, sorti dans she. Est-ce là, hein? Sorti dans she. Ouais. Nous aussi, sorti dans we. Et, elles aussi, sorti dans they. Elle aussi sorti dans chi. C'est très facile, hein? Est-ce que la glace, hein? Quand la glace, nous parlons, well, nous parlons quitter verbe to be pour qu'elle il y a un autre verbe. Est-ce que nous la glace? On a le nom verbe défectif, par exemple. Ok? Quand nous parlons, well, il y a un verbe défectif.
Je pouvais me faire courir ou pas comprendre, écrire, me dire ça, c'est pas un problème pour me faire courir, hein. Parce que mon cap sur le papier c'est doux. Plutôt qu'on a fait ou comprendre, au lieu de laisser courir, la courir, est-ce que la glace? On allait, nous parlons l'autre vers Gounia, hein. Ok, Gounia classe, nous venons là, par exemple. Nous dit, Maya can be very shy. Ok? Maya can be very shy. C'est cela. Maya can be very shy. Ok? Timide. Hein? Et pas quitter la descente, mes amis. On pousse, non? Hein? Pas quitter la descente, mes amis. Oh my god. Ok, glace, on allait chercher au camper longtemps, tout. Hein? Au camper longtemps, on allait. Maya can be very shy. Ok? Kouna, qui coude d'œil pour faire la classe? Gagne can qui est le verbe défectif, ok? Qui pourrait agir même déjà avec le verbe auxiliaire parce que la fait question, la ou en forme négative lui avec Nathalie pour coller. Gagne bi là encore, et ça là, glace. Mais qui ça m'a fait? M'a observé avec, hein? Maya can, hein? C'est verbe ça là qui est verbe principal là, hein? Maya can be very shy. C'est que là, m'a l'on a fait avec can. C'est vrai, hein? Well, on a fait avec Ken. Très facile. Mais plus que c'est Ken, on a fait même bagaille là. Est-ce là? Are you, he, she, it devant Ken? Parce que Ken n'a pas point est en troisième personne. Si je me dis ça, ni ou pas qu'à conjuguer verbe ça aussi au présent continu pour dire I am Kenning. Non, ok? Remember that. Quand on a c'est Ken qui est là, c'est comme si l'am devini là, je conjugue verbe Ken au présent. Ok? Tout pronom là c'est Ken Kabla. Et cela, chaque pronom nous prend, c'est yon, moi aussi, c'est toi aussi, ok? Donc, go to fast. Exactly, my friend. Très bien, très bien, très bien. Moi, j'aime les petites réactions, hein? Ok, fast, alright. Moi, j'aime les réactions, je vais parler rapide. Parce que pour nous, ma fête, si je nous dis mal, je vais parler. Et c'est nous là. Maya can be very shy. Hein? Dis, Maya peut être très timide. Et cela, hein? Kouna, qui ça m'a fait la glace? Pour m'davine là pour m'di, moi-même aussi m'est timide, c'est cela, hein? Maya can be very shy. M'di, Maya peut être très timide. Kounia m'bral dit, moi-même aussi, c'est cela, glace. Premier coup d'œil m'a fait pour m'di, moi aussi là, m'a regardé qui verbe m'a gagné dans la phrase là. C'est cela, hein? Premier coup d'œil là, c'est regarder qui verbe m'a gagné. Ou bien si son monde qui a parlé, pour m'tendre qui verbe l'utiliser. Maya can, m'di, ah, ok, l'utilise can là. C'est cela, hein? Maya can be very shy. M'di, ok, là, l'utilise can. C'est que pour m'di, moi aussi là, m'bral utilise même can. Kouna, qui ça m'bral faire la classe? M'bral utilise formule qui plus facile là. Sujet plus auxiliaire plus to. Kouna, pour m'di là, Maya can be very shy. Pour m'di, moi. Pour m'di, moi aussi classe. Qui ça m'bral faire? C'est sujet. Parce que c'est moi, m'abdi là, m'abdi I. Est-ce là, hein? Hein? Plus que c'est moi, m'a dit, m'gen I. Et cela, hein? Kounia m'dit, qui verbe m'gen là? C'est can. Et puis m'dit, can. Parce que c'est sujet qui c'est I, plus auxiliaire là qui c'est can, et puis plus to. Et puis m'dit, to. Et cela, hein? Maya is very shy. I can too. Et cela, hein, glace? Est-ce que nous là, hein? Est-ce que tu règles là, hein? Qui ça, c'est verbe là qui dans phrase là, c'est lui qui permet m'en connaître. Comment traduction moi aussi a fait? Puisque la mauvaise moi c'est Ken qui l'a, eh bien la fait avec même Ken. Nan. Si c'est moi aussi, la vin by I. Si c'est toi aussi, la vin by you can too. Si c'est Louise aussi, la vin by he can too. Ouais. Nous allons prendre tout aussi à la dans la classe. La mienne I can too. Parce que le verbe là c'était Ken. Et cela, hein? Quand on va regarder la classe, ça c'est moi aussi. Ça c'est moi aussi, hein? Et cela, classe. Hein? Ok, let me show you. Ok, la mienne moi aussi. Est-ce que la glace? Quand on va prendre classe, on va prendre nous aussi. Non, même fois ça. Hein? Maya can be very shy. Maya peut être très timide. Quand on va dire nous aussi. Est-ce que la? Quand on va dire nous aussi, qui ça me fait classe? C'est verbe can moi gagne là. Et bien c'est. Ken qui a auxilié là. Et puis sujet a c'est moun qui gen aussi a, hein. Kouna m'di c'est nous aussi. Et puis m'di oui. C'est oui qui parle comme nous, hein. Et so là, hein. Et puis m'di oui. Qui veut m'de gen en phrase là? C'est Ken. Et puis m'di Ken. Plus two. Et puis m'di two.
personne a un glace. Et puis là, m'y t'en gagne, nous aussi. Est-ce qu'on a un glace, m'y t'en gagne, nous aussi. Est-ce qu'on va commencer à faire très bien, très bien, très bien. Quel monde qui monte cap cher là, mes amis. On ne fait des fils, on ne va arriver sans. Eh, mes amis, on bel courant glace fait longtemps ça. Eh, pour moi, il va arriver dans 100, mes amis. Eh. Et pas qui fait mal, oui. Where we came to, est-ce qu'on a un, nous aussi. Parce que c'est quel monde t'es gagné là. Est-ce qu'on a un, ou bien t'en comprends ça jusqu'à présent. Vous avez un bon exemple, passé de kin. Même travail là, hein. Même travail là. Si je viens là pour une classe, je viens là par exemple. Jimmy can be very intelligent. Ok? Jimmy can be very intelligent. Est-ce qu'on a une classe? Hein? Jimmy est capable de très intelligent. Ok? Et puis, je viens là, je dis là par exemple. Je dis elle aussi. Elle aussi. Yon fien, je dis elle aussi. Kouna, qui ça me voit résumer la classe? Premier coup d'œil, n'a fait la phrase, qui ça? C'est garder qui verbe nous gagne. Hein? Qui type d'auxiliaire? Est-ce que c'est un verbe défectif? Eh bien, là, je vois résumer moi que. Eh bien, qui ça? Moi aussi, hein, traduction de aussi après le fait à partir de could. Est-ce que c'est la classe? Kouna, là, je dis Jimmy could be very intelligent. Eh bien, kouna, classe, pour me dire elle aussi. Qui ça m'a fait? Je dis c'est sujet. Plus que c'est elle aussi, je traduis elle. Je dis she. Est-ce que là? Et puis, je dis verbe là, je dis là, qui c'est could. Je dis c'est sujet plus auxiliaire. Je dis mais auxiliaire là, qui c'est she could. Et puis, je dis plus to. Et puis, je dis she could too. Est-ce que vous voyez un hein? She could too. Plus que c'est she m'y là, les gars, pour moi, elle aussi. Est-ce que là? Si c'est Louise aussi, vous devez mettre he là, he could too. Hein? Louise aussi. Si c'est elles aussi, Claire, ça m'a l'air là, vous devez mettre they. They could too. Living bon, elles aussi. Est-ce qu'on a une glace? Est-ce que nous là, hein? Hein? Moi, je prends l'autre verbe là. Moi, je prends l'autre verbe là. Moi, je prends le futur. Nous, je prends avec futur, Claire. Est-ce que nous là, hein? Hein? Moi, c'est Wem Tarim, mais Wem Livé sans monde, mes amis, hein? On perd coup anglais qu'on s'en fait pour pas arriver sans monde, hein? Hein, classe, hein? Ça me fait du mal, hein? Ok? Alright, let's continue, classe. Maintenant, nous allons prendre avec auxiliaire will. Vous connaissez déjà, là, nous utilisons will, c'est pour parler de future, ok? I will see you tomorrow. M'bralouer au demain, ok? I will call you tomorrow. M'bralouer au demain. Et cela, I will go to supermarket. Alright? Next weekend, weekend prochain, we will, we're future. Est-ce que nous avons la classe? Nous allons faire même coup d'œil la classe. Regardez là, hein. Joe will be there tomorrow. Joe will be there tomorrow. Nous c'est vrai, là, nous un verbe to be, hein. Mais pas oublier, classe. Lorsque nous avons auxiliaire will qui permet de conjuguer le verbe là au futur, eh bien, on a utilisé même will la classe pour nous faire traduction de aussi à même travail là avec même will là. Et cela, hein? Joe will be there tomorrow. Et bien, quand on a dit, on ne peut pas utiliser le verbe là exactement, mais on a utilisé auxiliaire parce que c'est plus auxiliaire, yo dim. Et cela, hein? Plus que c'est will, moi, y'en a. Si on dit par exemple, classe, I will go to church tomorrow. Qui l'a m'bral l'église à demain? Et bien, qu'on a wap di ou même tout. Est-ce que là, hein? Plus que wap di ou même tout, classe, wap utilise même will là. Est-ce que là, hein, classe? Wap utilise même will là. Et puis, vous dites, you will too. Est-ce que là, hein? Vous dites là, hein? Joe will be there tomorrow. Joe sera là demain. Et puis, qu'on a wap di ou même tout wap là demain, classe. Plus que c'est ou même tout wap là demain, qu'est-ce qu'on fait, classe? Wap utilise même will là parce que c'est des futurs n'a parlé pour faire là. Plus que c'est ou même tout ou abay qui sa classe la by you. Parce que là, la by you et pour dire you parce que c'est sujet plus auxiliaire plus tout. You qui auxiliaire là qui c'est will. Ouais, et pas bien utilisé le premier qui c'est will hein. Qui c'est will parce que c'est lui qui dit que futur. Ouais, Joe will be there tomorrow. Et puis me dit you. Et puis qui ça m'a utilisé même will là. Et puis il me dit you will plus two. Et puis il me dit two. Est-ce que c'est la glace? You will too.
C'est cela, hein? Nous utilisons même will la clé, c'est cela. Joe will be there tomorrow. You will too. C'est cela, hein? Vous aussi, ou bien toi aussi. C'est cela, Cléas. Joe will be there tomorrow. You will too. Depuis moi, you, moi soit vous aussi, ou bien toi aussi. C'est cela, Cléas. Quand on dit encore, Joe will be there tomorrow. Joe will be there tomorrow. Plus que m'gen Joe will be there tomorrow, c'est que m'gen yon phrase qui au futur, et puis m'a utilisé auxiliaire qui indique futur. Est-ce que nous la classe? Quand on a pour m'dit classe, nous aussi. Qui ça m'a dit? Plus que c'est nous aussi, m'a utilisé première personne plus pluriel. Pour m'dit nous aussi, m'dit oui, m'a bien qu'il faut c'est un. M'dit c'est oui. C'est ça, plus auxiliaire nom gain qui c'est will, you will, plus to, you will to. Est-ce qu'on a une glace? Pour comprendre plus bien, pour pas avoir un problème, hein? L'on dit oui, you will to, qui ça bon moi? Libre moi soit toi, ou bien soit vous aussi. Est-ce qu'on a une glace? L'on dit we will to, qui ça bon moi là? Nous aussi. Est-ce qu'on a, hein? C'est traduction. Moi aussi. C'est très facile, hein, Glass? Auxiliaire, on gagne une phrase. Là, c'est lui-même à utiliser. Joe will be there tomorrow. OK? Qui auxiliaire qui indique le futur, là? Will. Hein? C'est will. Joe will be there next Sunday, dimanche prochain. Et puis, il me dit, map là, dimanche prochain, tout. Et puis, il me dit, I will too. Est-ce qu'on a une glace? Hein? I will too. Est-ce que nous comprenons, mes amis? Est-ce que nous comprenons? Tout le monde qui comprend, écrit yes. Ne vous pas comprendre, juste dit, ça m'a touché. On allait. Hein? On allait. Hein? We will too. Très bien, c'est-il. C'est-il qui t'a dit répondre d'aller, c'est-il qui t'a compris. Très bien, c'est-il. Hein? Est-ce que nous travaillons là? Hein? C'est une soutenir l'autre. Hein? On partage, mes amis, mais sans moi, même cap suivre un bel coup anglais comme ça, mes amis, qui a fait hein, dans langue nous. Vous posez question en bas en commentaire là ou pas comprendre moi prendre pour vous. Tout le monde qui comprend les cries c'est cries vous pas comprendre dit retoucher le pour en aller avant de passer dans l'autre verbe qui va demander pour l'autre auxiliaire est-ce là hein parce que vous pas qu'être l'autre verbe qui va demander pour l'autre auxiliaire qui pas pour il hein OK est-ce que nous là hein tout le monde qui comprend les cries yes OK moi comprendre Bounia très bien c'est-il hein? I'm very happy, m'content, très bien. Parce que c'est pour ma faire, il faut que vous compreniez. Vous comprenez? Si vous êtes sous groupe WhatsApp là, même si vous faites quoi, vous ne comprenez tout. Quand vous avez un message sous groupe WhatsApp là, et vous dites, vous ne comprenez. C'est cela, hein? Thank you, Fanel Jean. Alright. Fanel Jean dit, vous comprenez. Très bien, thank you. Alright. Moi, je manque de comprendre. Très bien, Fanel. Ok, après, moi, vous, Fanel. Ok, moi, je manque de comprendre. Très bien. That's all right. Wow, that's for you. Yes, you are a good. Thank you very much, my friend. All right, thank you very much. You make me happy when you were saying that to me. Thank you very much. All right, good. Okay. Yo, dim class. Pour former toi aussi. Premier coup d'œil, besoin de tendre. Non, ça mon abdia. C'est sujet et puis verbe utilisé. That's all right. Dis par exemple. Tenez bien. I am very happy. Pendant ma parole avant mzou, I am very happy. Ki bagay, premier bagay wap tande sujet et puis verbe là. I am very happy. Ki so tande, ou tande I, ou tande I ki c'est moi-même. Am, c'est que là m'getan en verbe to be. Est-ce là? Kou na pou di ou même tout grand goût, ou quand on connaît là en deuxième personne là conjugué verbe to be c'est you are. Et puis on juste dit you are too. Pour dire ou même tout. Est-ce là, hein? Quand on vient la glace, m'utilise le verbe là au passé. Me dit John was very smart. Me dit qui premier coup d'œil wap fait, qui moun nan se parler la parler. Wap tande sujet et puis verbe là. John was very smart. Me dit John was, me dit was est le passé du verbe to be. C'est que moi même le m'bral dit moi aussi là faut m'utiliser was là parce que les m'a conjugué le présent me dit I was, you were. Et bien, quand on a pour me dire, moi-même aussi me dit, I was too. Nous sommes conjugués vers la mettre après. Est-ce là, hein? Quand on a classe, c'est verbe là qui va mal. Là, me dit, Jimmy can be very shy. Me dit, qui est-ce que je suis là? Je suis sujet à qui c'est meilleur, je suis verbe là qui c'est
Ken. Et bien, me dit plus que c'est Ken. Et bien, pour me faire traduction de moi aussi, non là, la sorti à partir de Ken. Et bien, pour me dire, moi aussi, me dit, I can too. Parce que me dit sujet, plus auxiliaire, plus tout. I can too. Ou même tout. Pour me dire, lui même tout. Qui ça m'a fait? Plus que c'est Ken, c'est lui. Si c'est une fille, m'a dit, she can too. Si son garçon m'a dit qui ça, he can too. Est-ce que la agence, même je ça marche là, nous tout conjuguer avec la net et puis mettre tout d'elle. Est-ce que la anglais, bien facile, hein? Kouna, on allait dans wood. Là, on dit wood. Qui ça wood indique? Wood indique très bien, très bien, très bien. Non, m'fouti qui te première parce que m'pa vle moun pour moun yo elle difficile. Mais première ou fait Shelby avec, l'on fait Shelby à première, vous comprenez? Très bien, Elvi, I was too. Est-ce que là, voilà? John was very smart. Et puis, quand on a pu dire moi-même tout, on dit, I was too. On dit, m'te intelligent tout. Est-ce que là, hein? Ouais, m'utilise même verbe là. Ou là? Quand on a si c'est ou même tout, on dit, you were. On dit, you were too. Est-ce que là, hein? C'est très bien ça, très, très facile, hein? Pas oublier, défi question sans nous pas arriver sans. Chaque monde qui là, fouille maintenant pat là, j'en fais là, pousser le bon quitter à faire non, nous beaucoup qu'à prendre centaine non, vous comprenez, nous dans dizaine de joie, on pousser quoi aller, ok? On allait dans wood. Y'a dit wood indique qui ça, glace? Let me utiliser wood, c'est pour nous parler de conditionnel, est-ce que là, hein, glace? I would like to see you, hein? J'aimerais te voir, ouais. I would, t'as aimé, est-ce là? I would, hein? I would see you, would, ouais. I would call you, ouais. T'as aimé le would, c'est m'ta conditionnel. Kuna, si m'garde moi will, non fais ça. C'est will là m'a utilisé pour me faire traduction moi aussi, hein. Si moi would, c'est would là m'a utilisé. Si moi can, c'est can là m'a utilisé. Si moi verbe to be, c'est même verbe to be à m'a conjugué. Est-ce là, hein? Moi n'est plus facile, hein? Est-ce là, hein? Est-ce là, hein? Moi cher. All right. I see. Moi ouais sous tête, moi ouais sous tête, hein. Et tout le monde vous mettre en patte là. Est-ce là, hein? Pour nous pousser la question, nous dans dizaine de jours à fond pour centaine, hein? Est-ce là, hein? Quand on me dit I would like to see my father. I would like to see my father. Quand on a pour faire traduction moi aussi non, qui ça me besoin? Eh bien m'a utilisé même would là parce que would là indique conditionnel. Est-ce là, hein? Quand on m'a dit glass, m'a utilisé même would là, hein? On regarde fois ça. Qui c'est? I would like to see my father. Ça y est moi qui dit, moi t'aimer mais ouais papa. Est-ce là? Quand on a dit et puis on pourrait te dire nous même tout. Est-ce là nous même tout. Qui ça me dit? N'a pas utilisé même wood là. Qui ça me fait? Et bien quand on a pour me dire nous même tout, et bien juste aller me dire nous pas bon moi oui. Ouais, nous a bon moi oui pour me dire nous même tout. I would like to see my father pour me dire nous même tout. Et bien qui ça m'a fait la classe? Me dit nous get bon oui. Quand on a mal dans phrase me dit quand est-ce qu'il y a qui dit que conditionnel là wood. Et bien me dit we would. We would too. Là, je vais gagner. Nous aussi. Est-ce que là, hein, glace? Est-ce que là, hein? Je dis, moi, tout pronom là, mettez wood derrière et puis plus tout. Quand on dit glace, elle aussi. Hein? I would like to see my father. Et puis, on dit, elle aussi. Elle pour l'album qui ça? Elle a bon moins chi. Ouais, même pronom. Elle a bon moins chi. Et puis, qui ça? Qui aussi l'aime la wood? Et puis, on dit, she would too. Est-ce que là, Iglesias? Elle aussi, hein? Quand on dit même ça, Iglesias, m'a dit, on dit, I would like to see my father. Et puis on dit, et vous dit, ou même tout, ça veut dire toi aussi. Et puis qui ça dit, ou toi, quel album dit ça, you? Et puis on dit, you would too, toi aussi. Est-ce que Iglesias? Hein? Est-ce que nous ouais, Iglesias? Est-ce que nous ouais? Quand on dit ça fait là, comme si un verbe me voulait conjuguer là, me dit we would, ouais, she would, you would, et puis plus two. Eh bien facile, hein. Est-ce que nous là, hein, classe? Est-ce que nous là, hein? You would too, très bien. Hein? You would too, alright. Ouais, c'est-il très bien compris? C'est-il là bien passé là, hein? C'est nous là, hein? Faut nous passer sous page là, mes amis. Monter sous page, si tu es mal le bois, on dit là.
Invitez amis nous like page pour nous agrandir famille. Une question c'est 50 30 20 monde qui cap garder un bel cours anglais qui cap fait dans langue nous comme ça mes amis. Ça anti en bas hein. Est-ce là monde qui a fait zin qui cap parler en pile les amis plein monde a garder au petit temps fait 3 4 temps hein. Est-ce là hein. Des fois on invite monde pas même venir garder non est-ce là hein. You would too. Ouais, toi aussi ou bien vous aussi. Hein, soit vous doyer monde non, dit vous aussi. You would too. Non. Elle aussi, she would too. Nous aussi, we would too. Qui phrase qui permet d'utiliser would là? C'est parce que dans la phrase, c'est would nous détendre qui compatit, ouais. I would like to see my father. Est-ce que c'est en anglais? On a regardé la pounia, nous allons regarder pour un verbe qui n'est pas auxiliaire. Ok? C'est ça qui est dans la donne. Qui continue à rentrer dans tout petit. Mais si vous êtes là, vous avez fait auxiliaire dans le coup à live. Ok? Ou même qui a peine vu dans le coup. Ok, ou quand on a un problème tout petit, toujours écrit sous page là, alright. Ok, vous faites commencer très bien, Saint-Hilain. C'est 8h09 quoi. Ouais, monde qui vivent en retard, ouais. L'on partage quoi, mais avantage là, l'a touché, chaque ton partage, l'a touché en 2-3 grains de monde. Est-ce là, hein? Ouais, Saint-Hil pas là, Saint-Hil la peine vini, ouais. Qu'on a Saint-Hil qui parle un petit problème tout petit là, pour le comprendre parti ça, parce que nous détaillons auxiliaire déjà, hein. Mais depuis nous jouons nous 5-6 monde qui monte sous page après quoi qui dit retoucher tel bagaille laisse ça nous dit ah une majorité qui mandé pour nous retoucher l'autre monde qui te comprendre on va plus bien comprendre toujours parce que tant qu'on fait plus fort plus bien comprendre bien sûr là en classe quand on va passer dans verbe qui pas auxiliaire yo nous va toucher un verbe qui pas auxiliaire est-ce que là hein alright bon c'est nous là hein. Nous pouvons toucher pour un verbe qui n'est pas auxiliaire, c'est yo qui paraît dans titre tout petit, parce que pour faire, il faut qu'on auxiliaire yo. Même pour le détailler là ou là pour qu'on merci Fanel, alright? Ok? Et ça fait toujours dit nous, pas si son partager pour nous jeunes, plus nous cap garde quoi, ou reprendre pour nous faire réaction, surtout là, nous fait exercice, parce que nous pouvons faire un pile bel exercice sous ça, hein? Ok? Nous fait un pile bel exercice, quand on répondre dans les commentaires. Bah, ne seulement faire quoi comme ça, mais nous fait exercice tout. On a regardé pour verbe walk. Ici, classe, on a le verbe walk. Walk qui est le verbe marcher, ok? Hein, le verbe marcher. Bah, il va marcher en créole là, non? L'on va l'acheter, bah, non? Marcher, donc marcher, ok? On a le walk. Là, nous avons la classe. He walks to school every day. C'est ça, hein? He walks to school every day. Il marche à l'école chaque jour, ok? Suis bien là, c'est là. Traduction moi aussi à cabon si bas et tout petit. Hein? Sou el bon si bas et tout petit. De pour quoi après le fini là, mandem pour me recommencer. Parce que nous étant pile parti là, pour me continuer li lundi si je veux. Hein? Ok, va y avoir un coup assez du lundi au vendredi. Jeudi vendredi, pas vrai? Ok, jeudi vendredi, très bien. Ok, vous avez toujours mandem sous page là, pour me recommencer. Parce que forme bien détaillé le baou, parce que ça a demandé pour faire le calme, pour bien comprendre. Mais cela, hein? La nouvelle, he walks to school every day. Même si on a des gens qui déjà comprennent, hein? Ok? Alright? Tant que Christy, tant que Virginia, tant que Solian, Yoland, comprennent? Les gens qui ont déjà comprennent, c'est ça, hein? Mais qu'on a obligé de baisser parce que tant que le public a augmenté, il faut nous supporter une autre, nous sommes obligés de bosser pour nous comprendre tout, c'est ça, hein? Très bien, mon cap partager. Hein? C'est vraiment une petite question 50-60 ans pour nous prendre 100, 150, 200, 300 mon abgadon bel pour anglais. Comme ça, et cela. Hein? Alright? C'est ma banou quoi normal avec bonne explication sans courir écraser. Hein? Hein? C'est partager. Ok? À cet instant, on va nouveau mon paraît dans la classe là. Allez! N'y a là to walk qui est le verbe marcher. Ici, là, si je conjugue le verbe to walk là, je dis I walk. You walk, he walks, on suit bien, we walk, they walk. Ma prenne you à deux fois, hein? They walk. Ici, on a le verbe marcher qui se conjugue au présent de l'indicatif. Hein? Voyez, classe. Nous avons le verbe marcher qui conjugué au présent de l'indicatif, ok? Quand on a un verbe marcher qui conjugué au présent là, qui forme classe, il est conjugué à la forme affirmative. Est-ce que là en classe? Là, il est conjugué à la forme affirmative. Quand on a classe, si on veut conjuguer verbe walk à la forme interrogative, c'est-à-dire classe, on a parlé de question. Est-ce que là en classe?
Quand on a à la forme affirmative, pour me conjuguer le verbe walk à la forme interrogative, ça veut dire pour me faire question. Puisque walk n'est pas un verbe auxiliaire, il a besoin d'aide. Est-ce que la classe, il a besoin d'aide de l'autre auxiliaire? Qui verbe qui a besoin d'aide ça, yon classe? C'est verbe qui pas verbe auxiliaire, yon. Kounia, qui ça yon dit, classe? Yon dit, en anglais, l'aime bien yon verbe qui pas verbe auxiliaire. En anglais, yon est le verbe ordinaire, ok? Puisque son verbe ordinaire, pour me conjuguer à la forme négative ou bien interrogative, pour interrogative, m'a besoin de ça de, days, et puis did. Ces trois moun sa yo m'a besoin comme helper, comme moun kap vin by aide. C'est yo même qui pral vin aider me conjuguer yon verbe à la forme interrogative. Est-ce que nous la classe? Kounya classe, si m vle conjuguer verbe la à la forme négative, qui sa pral ban mwen classe? Li pral ban mwen do plus not, days plus not, did plus not. Est-ce que nous la classe? Ça c'est pour forme négative. Kouna, qui ça me besoin là pour me dire est-ce que vous marchez I walk ou dit do I walk? Et cela est parce que walk est un verbe ordinaire. Do I walk? Do you walk? Laisse-moi dans la troisième personne en présent, m'a utilisé days parce que days je utilisé pour troisième personne singulier. Singulier, pas pluriel, c'est cela hein. Kouna classe, besoin connait tout verbe ça, verbe qui conjugué là, ils sont verbe ordinaire pour me conjuguer à la forme interrogative, mais je présente le do. Do pour au présent. Days pour au présent, troisième personne singulier. Et puis do pour tout le pronom. Est-ce que là, hein? Did lui-même, c'est pour les verbes là conjugués au passé. Par exemple, mien walk là. Au passé, c'est la vine bam walked. Ah, c'est le passé. Est-ce que là, hein? La vine bam walked. On fait le sang, on fait le sang, on fait le sang. Est-ce que là, yes? Hein? La vine bam walked. Très bien. Quand on pour me même là, I walk là, à la forme négative, qui ça le bon mon classe? Il bon mon I do not, I do not walk. Est-ce que là, hein? Ça c'est pour me voir à la forme négative. Il vient bon mon I do not walk. Est-ce que là, hein? Quand on a, si moi venant dans troisième personne, le bon, he does not walk. Est-ce que là, hein? Ouais, pour forme négative là, demandez-moi do plus not, days plus not, ou bien did plus not. Kounia, qui ça parle passer la classe? La mienne là, he walks to school every day. Kounia, là, pour me dire moi aussi classe, plus que c'est walk moi bien là, c'est que moi gagne un verbe ordinaire. Est-ce que là, hein? Pas oublier nous classe. He walks days. No. He get you, my teacher. Thank you. Did you walk last night? Walk là seulement par le créer, tirer R là, mettez L. Hein? Ok? Très bien, un seul là. Ou bien si c'est verbe travailler, mettez O. Hein? Un seul là. Et alright, on allez. Quand on a mis walk là, qui c'est verbe marcher là? Quand on a pour me dire, moi aussi la classe, moi nous y connais, l'aime bien au présent là, qui auxiliaire m'a utilisé. Quand on a pour me faire question là, m'a dit, do I walk? Ouais. Pour me faire là encore me dit do you walk? Est-ce que ou marcher? Pour me venir la troisième personne là m'a dit does he walk? Moi dit est-ce ça là hein? Est-ce ça là classe? Quand il y a qui ça me se connaît? Il a dit c'est sujet plus auxiliaire plus to. Mais il pas dit sujet plus verbe non. Est-ce ça là hein? Il pas dit sujet plus verbe. Si on dit sujet plus verbe m'tape dire si c'est moi aussi m'tape dire I walk too. Est-ce là hein? Mais c'est pas sujet on dit c'est auxiliaire yo dit. Et bien qu'on a besoin qu'on est qui auxiliaire m'a utilisé l'aime dans première personne pluriel là. Et bien qu'on a qui ça m'a dit la classe m'dit he walks to school every day. Et bien qu'on a m'a dit moi aussi. Et bien pour me dire moi aussi la classe premier bagage m'a besoin yo dit c'est sujet a. Sujet a qui c'est I. Est-ce là hein? Et puis m'dit I. Est-ce là hein? Me dit sujet qui c'est I, me dit I qui c'est moi aussi. Et puis on dit plus auxiliaire. Quand on prend le besoin qu'on est, l'aime dans première personne pluriel qui auxiliaire moi utiliser. Si dans première personne singulier, tu sais, si dans première personne singulier, on connaît m'a besoin de. Et puis me dit so do plus to et puis me dit to.
The I do too. What? I do too. That's all right. Kounya, li pi bel pou mwen utilize premier règle la. Tande bien? Li plus bel pou mwen utilize premier règle sa. Lem genye verbe ordinaire yo. Mwen moutou jan le bel la. Ki sa fèm di li pi bel? Lem genye verbe ordinaire yo. Ek la sou mwen moutou bagay. Lem genye verbe ordinaire. Lem genye verbe auxiliaire yo. Li pi bel lem utilize sa. That's all right. Lem utilize sujet plus auxiliaire plus tout. Mais lem genye verbe ordinaire yo. Mwen moutou koman le fè pi bel. Kounya, ki sa mkadi la klas? Pou mdi moi aussi encore là, si m'ap utilise premier règle là, m'ap di so plus auxiliaire do plus sujet I. Gade pou règle, soit pou la li pi douce. Le wap pale la pou el pi douce. So do I. So do I. Est-ce que vous voyez ça pi douce? Le dictionnaire le va publier détail vous, est-ce là hein? Le nou genye verbe ordinaire yo klas, le nou fe moi aussi, li pi bel pou nou utilize formule sa. Eso la, hein? Le nou fe moi aussi, nou genye verbe yo ki se verbe auxiliaire ou bien defective, ou bien model, yo genye model verb ki se will, would, etc. Nou utilize deuxième nan, parce que la pi bel. Mais le nou genye verbe ordinaire yo, nou utilize premier formule la, la pi douce anglais. Parce que tant que jeune anglais a pi smooth, comment ça veut dire smooth? Smooth, c'est le jeune ni suave. Smooth. That's all right. You have to speak English smoothly. Ou se supposé parler suavement. That's all right. Ou parler suave. Laisse moun après, mettons de ouen. Moi, li la pouwe. Moi li tous les deux fois. Tous les deux c'est même bagarre là mais c'est deux règles différentes, c'est deux règles là qui là. Là on dit class, he walk to school every day. Et puis on dit ou même tout dit I do too. Moi pour moi même moi ça a pidi. Et puis quand moi même moi règle qui ca fait me faire chelbe ya, et puis me dit so do I. Ouais, so do I. Ouais, même langue après cap bien battre, hein? So do I. C'est ça la class. Quand la class, si m'a dit, me dit ça ça c'est moi aussi. Si m'a dit nous aussi la classe. Si m'a dit nous aussi. Plus que verbe conjugué au présent là. Mais on connaît auxiliaire mon affaire c'est do. C'est cela hein. Si m'a li aussi. Depuis m'a li, on connaît c'est des la pied pour verbe ordinaire, OK? Si pour me toucher lundi, pour moi 10 moun pour me ca fin détailler auxiliaire arrivé juste dans did. OK? Arrivé juste dans did sorti depuis non do days did. Oui, allez. 10 moun écrit lundi. OK? Écrit lundi pour me ca détailler tout baou avec tous les deux formules ni tout verbe ça, OK? Ouais, pour me détailler tout verbe ça et puis pour montrer au tout, suis bien, attendez, pour montrer au tout comment on va dire par exemple si me vient là par exemple là, on garde un exemple, OK? On va le côté pour 10 moun dit écrit lundi par exemple, on garde là. The sun, un exemple about, ouais, Barbara dances very well, ok, c'est so là, hein, m'a montré aussi, m'a détaillé pour le dire aussi, pour montrer comment on a dit, par exemple, on a dit, maman tout, on a dit, sem not tout, frem not tout, sem not tout, c'est so là, hein, regardez la classe, par exemple, Barbara dances very well, Barbara dances very well. Dit Barbara danse très bien, right? Barbara dances very well. Et puis quand m'a dit Semnon danse bien tout. Est-ce que la glace, ouais? M'a dit Semnon danse bien tout. Ouais? Quand m'a montré comment pour nous détailler pas seulement avec sujet a, mais n'a pas sujet avec personne avec mon nom même. Est-ce que la hein? Et puis n'a touché ni did ni days ni bon m'a pour mon qui bon lundi. Très bien, disponible, vous me dites. Si vous me dites, vous me dites, je continue pour me détailler avec do, pour me détailler avec days, pour me détailler avec did, le 16 de verre. Et puis, évitez moun vinga de bel coup. Thank you very much, ok. My friend, Fritz Lee. Moun sa yo, moun sa yo, vraiment, bon, moun feel force, hein, dès le commencement. Si vous êtes là avant, et ça fait les moi, vous m'avez toujours cité, non, vous fort. Yolande, Soariane, Christina, Fritz Lee, Esso, Esaïe, Elvie, Elvie, t'es là tout, un petit temps, pas tout, Esso là, hein. Ok, pour moi, combien de monde? 10 pour moi, 10 si je n'y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lundi, 7. Manquez 3, Esso là, hein.
C'est pour nous m'a faire m'a bien détailler pour nous avec verbe ordinaire parce que verbe ordinaire il y a un petit piège là-dedans, hein, vous comprenez? N'a bien détaillé, très bien, ça fait 2 4 6 7 8 Non, on va pas mettre apostrophe devant doux comme ça. C'est l'ordi d'une. OK, on va combien mon yam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je conseille mon nom. Je conseille mon pour dire, elle le dit. All right, my friend, thank you. OK, mon sao, c'est des mon spécial qui te permet de camper jam. Vous voyez, tout le monde, 3, 4 mon yola. Est-ce que là? Je ne vais pas féliciter. Yo, thank you, thank you. OK, je vais vous donner mon nom. La bien taillé, détaillé, moi aussi, à pour vous, toi aussi, elle aussi, tout aussi, yo, avec tout auxiliaire, yo, le d'ici de 20. Et puis, mardi, si de 20, on a fait un gros exercice, côté que, m'a demandé, chaque monde pour bon mieux aussi, hein, chaque monde a bon mieux aussi. Thank you, qu'on a nous jeune plus. Très bien, hein. Moi, remerciez-nous, parce que, vous connaissez, il y 9h15, on passe 9h, on pas qu'il y ait trop, les décisions sont après détaillées, mais qui sont pas faire glace, pas oublier. Moi, je suis disponible hein, pour me pousser quoi, ou même tout, aider me pousser, éviter les amis. Ou. Mes amis, chaque temps que je fais quoi dans le salle, je vais dans le dernier fait quoi. Vous comprenez? Mes amis, il pas facile, je dis pas facile pour ici encourager ici par yo. Je fais bien coup comme ça, vous comprenez? Je prends deux plans internet pour quoi faire. Depuis une fois, je change. Plusieurs fois, je fais musique le dimanche. Ou on a tombé, je change l'autre. Est-ce que là? Sacrifice, je paye tous les deux. Ou là? Faut me payer bill, etc. Mais si je passe sur page YouTube, là, passe sur la chaîne YouTube, moi, côté ma blague vidéo anglais, ça prend rien, ou te capacé, ou comprend, ou inscrit, ou subscribe, ou like, ou bon petit comment. On voit, j'aime tout. Est-ce que là? Chaque temps, je dis ça, mes amis, yo green moun seulement passé. Je sais, zi, hein? Et pas seulement on sait vraiment faire quoi m'a dit est-ce que m'a dit au monde mon cher moi ça va arriver dégager nos femmes j'ai nos $10 américains ou 20 non c'est bon on fait tout ça parce que seul bagarre seulement faire c'est aider partager quoi au bel coin anglais comme ça ils sont comprendre c'est inviter zanmou monter sur page inviter zanmou gen sur messenger yo qui sur facebook yo like lui voyez like ba yo voyez inviter yo et puis il y a pour quoi ben il y a suivre lui. Je me dis, passez bon petit visite, vous comprenez? Allez, subscribe sur la chaîne là qui se titre Malé Branche Pondi Air, même nous avec page là. Vous pouvez passer bon love là, les quoi finir son grand monde qui passe. Est-ce que vous comprenez? Si vous regardez sous ça, vous êtes découragé, même pas découragé. Est-ce que là? Pas découragé. Bonjour, quand même, vous dire, ok, je vais vous passer, je vais passer sur YouTube là, je vais vous subscribe. Alright? Je besoin de livrer 1000 monde, mes amis, pour me faire live là sur tous les deux, ni Facebook ni YouTube. Help me, please! Alright? You have to help me. What do I have to do? Qu'est-ce que vous me faites, mes amis? I'm reading for you, class. Remember, the class is from 8 to 9. C'est de 8 à 9 heures avec Teacher Malbrochon d'hier. Moi, à frapper du pour moi continuer quoi? Eh bien, passez visiter, encouragez-moi sur la chaîne YouTube, moi, qui c'est Malbrochon d'hier. Si tu es mal le brush on the air, qui ton comment? Vous comprenez? Qui ton comment? Dis, it's John. Thank you, teacher. It's John. Thank you. Eh, de vous dit, intel, thank you. Moi, ou avem. You deserve it, my teacher. Exactly. You have to encourage me, my friend. Thank you very much. I'll give you all the things in English. Okay? I do my best to help you. You try to help me too. All right? Et dem tout, hein? Thank you. Remember, on Sunday afternoon, dimanche après-midi, nous toujours avons une petite classe spéciale qui c'est une chansonnette nous prend, nous montre le vocabulaire là-dedans, et puis après ça, nous traduit le chant. Nous faisons des bagailles comme si j'ai un vocabulaire et pas j'en traduis le chant. Hein? Nous faisons ça chaque dimanche après-midi, de 7h pour 8h. Hein? Nous avons une petite chansonnette et puis nous amusons. Nous avons un petit moment d'amour lié parce qu'il y a une belle parole d'amour là-dedans. Hein? Nous prenons un bel chant. OK, ngay yon moun ki voye di m pou m pran yon comment monsieur le Justin Bieber pou m pran Justin Bieber m'a fon Justin Bieber pou li comprenez mais pas ça qui gen vieux parole ça qui gen belle parole d'amour yo n'a détailler vocabulaire yo comprenez n'a tout apprendre vocabulaire yo et puis après ça nous traduit chant phrase par phrase c'est ça bel travail tout ça do avec bel petit vocabulaire etc. Hein? Nous fait ça chaque dimanche 7h 8h ou quand toujours participer avec nous remember class passer sur channel là invité
yon zami ou deux trois zami ou parce que nous toutes plein famille, on comprend. Bay on ti yon chaque monde bon mon 5 monde sur YouTube là pour me arriver 1000 là pour me faire live là sur tous les deux parce que moi déjà j'ai téléphone yo là, juste besoin faire live là sur tous les deux. Help me please. All right. Thank you very much, Klaus. I have nothing else. Bagay yon yon kom ap diw ke seeing you on Monday or Sunday afternoon. Ou bien, nan ti moment d'amouan, chak dimanche, 7h-8h. It was a pleasure and it was a very good time. On Monday, we are going to keep on explaining how to use moi aussi, toi aussi, elle aussi, lui aussi, nous aussi, en anglais. Thank you. Have a good weekend. Don't forget to pray Jesus because he is the only one who can save or give you opportunity to breathe. Thank you.